C'est qui le avec nos têtes? Alors bonsoir à tous. Alors bonsoir à tous ici en direct de Paris. On va grailler le McDonald's. On essaye de trouver le McDonald's. Mais on sait pas où il est ce bâtard. Pardon. C'est rouge, le bonhomme il est rouge. Excusez-moi, je suis pas parisienne. C'est très beau, très beau. En fait, vous savez qu'avec Aïcha, genre, quand je la filme, c'est que du bêtisier, tout le temps. Attendez, elle va nous sortir encore une connerie. Parce que la dernière fois, il m'a vendu du coca. C'était pas intéressant en fait. Non, mais c'est pour ça que je goûte. Voilà. Bienvenue dans le vlog de Lara. Alors on est tout noir. Donc et bah plus maintenant. Voilà. Bonsoir. Alors c'est le dernier vlog du Selfocracito. Voilà. Émotion. C'est notre dernière date du Selfocracito et on a l'Olympia. Et là on attend la première partie, on attend Juju et après on attend Loïc, voilà. Donc c'est un petit aperçu de la salle, il commence à être super rempli. Loïc peut être fier d'avoir rempli cette salle mythique. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Ouais. Beau début de carrière. Très contente de partager ça avec mes copains d'amour. Papsaïcha l'amour. Nous sommes en direct de l'Olympia. Julien Grenel va commencer dans... Attends, parce que c'est trop près, là. Mais non, t'inquiète pas, regarde. T'es pas sur un plan très proche, là. Tu veux voir mon décolleté? Le petit belge de 21 ans qui remplit l'Olympia.
merci beaucoup, parce que c'est la troisième date parisienne qu'on fait sur cette tournée. Et ben, me dire que vous êtes encore tous là, ben, c'est juste dingue. Donc vraiment, merci beaucoup. Qui a... Non, je reviens pas, je fais l'Olympia en fait. J'ai pas vu les lettres dehors encore, j'ai juste vu des photos. Et rien que les photos, je me suis dit, eh ben bordel. Donc, je veux ça, moi je suis en Suisse. Non, c'est pas vrai. Je sais encore comment je m'appelle, c'est bon. Seulement le balcon. 3, 4, Thierry. Que je dévoile un petit peu des traits de ma personnalité. Aïe! Sois chaud, mais pas trop quoi. J'étais bouillant, je me mets tout nu, c'est pas vrai. N'oublie pas, demain tu joues à l'Olympia. C'est quand même un lieu assez classe. Et vous? Oh, poil! Oh, ouais. Vive la classe, j'ai envie de te dire. Je dirais que c'est maintenant que je perds des gens. En fait, je compose devant des films. Jusque-là, tout va bien. Mais, particularité, je coupe le son. Je vais faire un petit mime. J'ai fait du théâtre quand j'étais à l'école. Ah, cool ta vie. Alors, je suis chez moi. Peinard tranquille. Qui a déjà vu Poltergeist? Pour avoir la vision, je suis assis comme ça. Il y a la télé. Okay, là, quoi? Pas de son, d'accord?
Mais on rentre souvent avec des amis, évidemment. Non, c'est pas drôle. Bah, mes parents, ils ont l'habitude, mais les amis de mes parents n'ont pas l'habitude. Salut Loïc. Les amis de mes parents. Pascal? Oui, mon papa s'appelle Pascal, quoi. Il fait quoi, lui? Orion. Il bosse sa musique. Donc t'imagines le truc? Je ne suis pas schizophrène. D'accord? Je suis cliniquement clean, ne vous inquiétez pas. Mais je sais pas, c'est vrai, j'entends comme des murmures. Ça fait ça, sauf que c'est en yaourt. Ouais, c'est pas drôle. Alors en yaourt, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait le yaourt c'est la première étape d'une compo. Petit cours de musique ce soir à l'Olympia, oui. C'est la première étape d'une compo, en gros, du yaourt, pour Mimi Nice, ça faisait ça. Donc, je fais devant des films, mais, petite particularité, je fais devant des films d'horreur. Ah voilà, et c'est là en général je perds des gens. En général, ils se lèvent et ils s'éclipsent comme ça. Il est pas tout seul dans sa tête. C'est vrai. Nous sommes quatre. Et on arrive à vivre parfaitement ensemble, tu vois. Je te jure, enfin, ça dépend, toi. Souvent, pour la bouffe, on se bagarre. Burger King, salade, Burger King, salade. Le tableau que vous avez vu, qui s'appelait Wolves, en fait, je me suis inspirée de l'histoire de la Belle et la Bête parce que je trouvais que c'était un conte qui marchait très, très. Qui marchait très, très bien dans le cadre de Selfocratie, puisque c'est quand même une belle qui tombe amoureuse d'une bête, tu vois. En gros, la morale de l'histoire, c'est fuck le physique et bonjour la beauté intérieure. Et d'où le Burger King? Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, des jeunes, des meufs, enfin des mecs aussi, ça dépend. Dès qu'ils vont en miroir, ça fait ça. Oh, je suis trop moche. Oh, je vais faire mon régime. Je vais ressembler à un mannequin. Alors déjà, j'ai envie de vous dire que étant un petit peu dans le milieu depuis quelques années, les mannequins ne sont pas heureux. Non, ils crèvent la dalle toute l'année. Et souvent, ils sont tellement faibles, tu sais, sur les cartes. Boum, tout est tombé. Oui, parce que les designers, ils mettent des trucs de 20 cm, donc ils sont plein de points. Et puis, paf, comme c'est tombé. Donc, en gros, vraiment, aimez qui vous voulez aimer, soyez qui vous êtes, bouffez ce que vous voulez bouffer, parce qu'on vit qu'une fois à bordel de merde. Donc, ça, c'est. Voilà, j'ai parlé 5 minutes, encore 15. Alors, non. Ça dépend, en vrai, chaque soir je raconte des trucs différents. Ouais, c'est la même chose, alors, c'est un mytho. Je regarde pas des films d'horreur. J'adore ça. J'adore ça tellement que. Oh, c'était très français d'ailleurs. J'adore tellement ça que. Accrochez-vous. Je ne suis pas un serial killer, je vous le promets. Je dors avec la poupée Annabelle. Ah, ouais, j'ai un problème, lui. C'est vrai. C'est pas du bluff. C'est vraiment vrai. En fait, j'ai détesté le film, je le trouvais un peu nul. Enfin, le rythme mère, était un ça, peu chiant. Enfin, et ensuite, j'ai vu la poupée, j'ai dit « Oh !» Tu sens qu'elle est belle. Donc du coup, hop. J'ai été sur internet, hop. Je l'ai commandé. J'ai été la chercher. Oui, là-bas, c'était ma maison, ici, c'est la poste, toi. Je l'ai prise, je suis rentrée chez moi. Je l'ai déballée, et je l'ai vue, et c'était la révélation. Oh, je suis... Après, je l'ai posée, évidemment, à côté de moi, quand je regarde un film, ma mère... Ah oui, évidemment, The Conjuring avec Annabelle, moi comme ça. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup les Disney, mais pas tous les Disney d'ailleurs. Oh ouais, le Roi Lion était vraiment bien. Oh ouais, c'était bien. C'était mon facile. Mais non, le Roi Lion était très bien. Par contre, désolé pour les fans, mais libéré, délivré, je n'en peux plus. Ma mère, elle veut y aller tout le temps. À chaque fois qu'on va à Disney, elle veut y aller. Et moi, je suis là, non, parce qu'il y a une chanson qui te reste dans la tête, mais tout le séjour, tu vois. Cette attraction, ça s'appelle Small World, et ça fait la 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 la. Un petit coup. Juste un petit coup. J'aime bien la vision.
Tu sais, je me casse le fion à faire des chorés de dingue. Et en fait, juste prendre une bouteille et boire, ça marche. Bon, mais la prochaine tournée, je sais quoi faire. À quoi long, on y va, on va mettre plein de bouteilles d'eau partout, tu sais. Et je vais boire pendant une heure. Je vais inventer des manières, tu vois, de boire. Modulation. Comme ça, je sais pas. J'ai envie de pas en rire dedans. Mais dis donc, mais c'est presque aussi aigu qu'un ultrason de chauve-souris là. Oh ben dis donc. C'est Aqualand qui t'a fait rire comme ça? Merci Paris, merci Paris.